Il y a quelqu'un? Confirmé agent. Valentin Bréheret. Agent confirmé. Bonjour critique Bréheret, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances, même si nous aurions aimé savoir où. Le prochain Mission Impossible s'apprête à sortir, nous avions réuni une petite équipe pour vous seconder afin de faire des critiques sur les précédents volets de la série. Mais Mathieu Hague étant indisponible et Fabien Condamina étant en vacances aux Caraïbes, vous vous retrouvez seul. Votre mission, si vous l'acceptez tout de même, consistera à faire des critiques sur les 4 précédents volets de la saga Mission Impossible. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Ok. Bonjour à toi, chers spectateurs. Cette saga d'espionnage, on la connaît tous. Réellement tous, parce que, après James Bond, c'est la seule saga d'espionnage qui existe et que l'on connaisse tous. L'émission Impossible. L'émission Impossible, donc basée à l'origine sur la série télé des années 60, série télé qui a eu un succès monstrueux et donc qui a engendré en 96 la création donc d'une série filmique qui se détachait complètement de la série télé d'origine. Et pour le coup, et ben cette série de films, elle est particulière. Dans le sens où aucun des épisodes vraiment n'a déçu le public, mais en fonction des films, ça arrive à conquérir un nouveau public presque, l'émission Impossible. C'est un peu ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en fonction des longs-métrages, en fonction des réalisateurs et en fonction des idées qui se dégageaient des films, et ben il y avait un nouveau public qui s'intéressait à ces longs-métrages. Et donc pourquoi pas s'y intéresser justement, essayer de comprendre pourquoi cette saga est aussi éclectique et à chaque film arrive presque à se réinventer. Commençons donc par le premier, Mission Impossible de Brian De Palma, sorti en 1996. Qu'est-ce que ça nous raconte Mission Impossible? On va suivre l'agent Ethan Hunt qui fait partie de l'équipe de Phelps, qui lors d'une opération à Prague va voir toute son unité mourir et va essayer tout simplement de comprendre pourquoi ils sont tous morts et pourquoi surtout on l'accuse lui de les avoir tués. C'est là qu'on sent un bon long métrage d'espionnage, c'est quand il y a une bonne théorie de conspiration et de complot qui se dégage derrière tout ça. Brian De Palma, c'était un très grand réalisateur avant qu'il s'attaque à Mission Impossible, et ça reste aujourd'hui même un très très grand réalisateur. Lorsqu'il a pris les commandes de Mission Impossible, tout le monde était un petit peu sceptique, tout le monde s'est dit « qu'est-ce que ce réalisateur qui n'est pas du tout habitué à l'action allait pouvoir apporter à un film comme ça ?» Et bien finalement, il apporte une patte absolument unique, Brian De Palma, ce long métrage. Et dans l'ensemble, ce long-métrage est une vraie surprise parce que c'est un bon film d'espionnage, mais c'est aussi un excellent thriller à part entière. Et c'est tout simplement un film qui contient une tension monstrueuse. Brian De Palma, c'est un réalisateur qui sait avant tout créer de la tension. Si on regarde toute sa filmographie, c'est un réalisateur qui arrive avec une exceptionnelle puissance et finesse à créer une tension qui ne va jamais cesser tout au long du long-métrage et tout au long d'un film dramatique. Il écrit très rarement des scénarios, mais on ressent toujours sa patte qui se dégage d'un film, même s'il n'a pas forcément écrit la structure narrative ou dramaturgique du film. Et là, pour le coup, bah, ça se ressent du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une vraie patte Brian De Palma qui se ressent tout au long du film.
Et c'est ça qui fait tout simplement peut-être la force du premier Mission Impossible. Évidemment, il y a aussi le scénario, qui donc au niveau de l'histoire est signé par David Koepp et Steven Zaillian, et au niveau du scénario est signé par David Koepp et Robert Towne, qui s'occupera ensuite du scénario du deuxième. Le scénario est vraiment très fin, parce que on peut reprocher des facilités dramaturgiques ou narratives au scénario, tout comme on peut reprocher des dialogues qui sont un petit peu moyens. Ça, c'est le problème de David Koepp, c'est pour ça qu'il est souvent secondé d'un autre scénariste. Parce que sinon, David Koepp, c'est un scénariste qui est très très bon pour écrire une structure narrative et dramaturgique, mais dès qu'il s'agit d'écrire des dialogues, David Koepp, c'est quelqu'un qui a énormément de mal. Donc résultat, Robert Towne lui file un coup de main, et donc forcément, ça arrive à bien s'équilibrer, et le mélange entre les deux marche du tonnerre. C'est-à-dire qu'on a une structure narrative et dramaturgique qui est logique et cohérente, et qui est vraiment très fine au niveau de ses retournements et au niveau de la manière dont il aborde tous les sujets. Et au-delà de ça, on a des dialogues qui sont tout de même logiques et intéressants. On n'a jamais la sensation que les dialogues sont décalés ou sont pas forcément dans l'esprit du film. C'est tout le temps de manière logique que vont s'enchaîner les dialogues et que va s'enchaîner la structure dramaturgique. Et ça, c'est très très intéressant parce que ça permet au film de gagner en tension. Et derrière ça, à gagner vraiment, on va dire, en immersion pour le spectateur, puisque celui-ci va vraiment être immergé dans, on va dire, l'esprit que d'Ethan Hunt. L'idée du film, c'est vraiment de faire en sorte qu'on est enfermé, tout comme lui, dans cette espèce d'univers où on se dit le mal peut surgir de partout. C'est-à-dire, ça peut être notre ancien collègue, ça peut être le mec qui va déboucher de la rue à notre droite, ou ça peut être tout simplement le nouvel ami qu'on va se faire, mais qui finalement s'avérerait être en fait quelqu'un qui serait un double agent. Enfin voilà, c'est super intelligent de ce point de vue-là, parce qu'il n'y a aucun moment où on est laissé comme ça, où on va se dire c'est bon, tout va bien, on est pépère, on peut se relâcher, on peut se relaxer, il ne va rien se passer. Tout le temps, tout au long du film, la narration et la dramaturgie fait en sorte que le spectateur soit malmené et ne se sente pas forcément très bien. Et ça fait que résultat, quand il y a quelqu'un qui va revenir ou quand Ethan Hunt va recevoir de l'aide, on se dit « Oula, il y a forcément quelque chose qui se cache derrière ça ». Et ça fait qu'on est jamais, on est tout le temps en alerte en tant que spectateur. On ne se laisse jamais avoir, on se dit tout le temps « Ah, le mal peut surgir de là ou de là ». Et ça, c'est super fin. Autre point très fort, donc, c'est la mise en scène de Brian De Palma. Brian De Palma, donc, c'est un génie de la mise en scène et c'est un génie de l'attention. Et là, il l'illustre encore une fois d'une manière absolument divine. L'ensemble de sa mise en scène est basé sur l'idée, donc voilà, que le mal peut surgir de n'importe où. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour cela? On crée des plans qui font peur. On crée une narration esthétique qui, du début à la fin, va créer une tension qui sera insoutenable pour le spectateur. Que ça soit au travers de cadres qui sont débulés, donc qui sont mis de travers, que ce soit par le biais de longues séquences qui prennent leur temps et où la tension va monter en crescendo, que ce soit par le biais des angles de caméra. Brian De Palma va souvent utiliser la contre-plongée pour faire en sorte de malmener le spectateur et de lui faire, on va dire, douter de n'importe quelle situation, et aussi par le biais d'une mise en scène esthétique, narrative, qui repousse les limites de la tension, dans le sens où il y a une séquence où Ethan Hunt va se retrouver avec Phelps, donc qui croyait mort mais qui n'est pas vraiment mort, et dans un double temps, Brian De Palma va en même temps montrer Hunt en train d'expliquer qu'il pense que c'est le chef de la section Mission Impossible qui serait derrière tout ça, et par le biais de flashback, De Palma va montrer ce que pense réellement Hunt. Et donc, va créer un retournement de situation et une ironie dramatique, mais une ironie dramatique qui n'est pas par rapport au personnage de Hunt, qui est par rapport au personnage de Phelps. Ce qui fait que nous, on sait que Hunt sait que Phelps a fait tout ça, et pourtant Phelps l'ignore et rentre dans le jeu de Hunt. Et ça, c'est une super manière de créer de la tension, parce qu'en même temps, on reste dans l'esprit de Hunt, mais on s'en détache pour se relier à Phelps et comprendre que lui s'est fait piéger par Hunt. C'est ultra compliqué à expliquer, mais une fois montré à l'écran, c'est super fin. Et c'est magnifique la manière dont c'est foutu. Au niveau du casting, alors là, le casting, forcément, il faut parler du grand des grands et du maître de cette saga, Tom Cruise. Avant, les deux acteurs qu'on retient vraiment à la fin du film, c'est John Voight et Emmanuel Béard. Emmanuel Béard, elle est superbe, elle est vraiment magnifique. Elle campe un personnage avec beaucoup de subtilité et beaucoup de finesse. John Voight, il est vraiment excellent comme acteur. C'est vraiment un acteur qui a énormément de talent et là, il le prouve avec une magnificence absolument dingue. Ving Rhames aussi est très bon, et Jean Reno aussi, enfin voilà, eux, il n'y a pas grand-chose à confirmer, c'est des très grands acteurs. Et donc, il y a Tom Cruise. Tom Cruise qui, avec cette saga, va vraiment être érigé, on va dire, en tant que grand actionneur. Et en plus, au fil des films, on se rendra compte que Tom Cruise va, on va dire, grandir au fil de la série, dans le sens où dans les premiers films, il n'a pas forcément fait toutes les cascades, et au fur et à mesure, il va tellement s'impliquer dans cette saga qu'il va finir par faire les cascades tout seul, comme visiblement, ça va être le cas dans le cinquième.
Mais donc là, oui, il est vraiment excellent, il est vraiment impressionnant. Tout au long du film, il est dingue. Enfin voilà, y a rien à en redire. Tom Cruise, il est superbe. Donc voilà, ce premier Mission Impossible en 96, c'était une grosse claque. C'est un film qui n'a pas vieilli du tout, qui même quasiment 20 ans après sa sortie, a toujours autant de punch et a toujours autant d'avance sur son temps. C'est-à-dire qu'il y a des codes dans ce film qui sont réutilisés encore aujourd'hui. Enfin, c'est absolument fou. Il a réussi à placer des bases qui sont depuis réutilisées énormément dans les films d'espionnage. Et donc, il y a eu un petit peu de temps qui s'est écoulé avant donc que le deuxième sorte en salle.